de favoriser la reconnaissance de cette économie des territoires. Dakar a permis, et ça c'est le cinquième point, une meilleure prise de conscience du rôle des États, du rôle des collectivités territoriales dans la création d'un écosystème favorable au déploiement des initiatives PSS. Aujourd'hui, des initiatives sont là un peu partout dans nos territoires, mais aujourd'hui, je pense que tous les maires qui ont été là, tous les élus, ont compris que c'est important d'impliquer ces acteurs de l'ESS dans l'élaboration des politiques territoriales. L'État également a compris que c'est important de créer un écosystème favorable à travers notamment les mécanismes de financement. En réalité, cette prise de conscience, ça se voit à partir de la place des femmes et des jeunes qu'on a vraiment revisité. C'est également la question des financements alternatifs et décentralisés. C'est le rôle des universités, le rôle de la recherche et de la formation dans la promotion de l'économie sociale. C'est également l'économie numérique, la réduction de la fracture numérique, la digitalisation, n'est-ce pas, au niveau des territoires. Le sixième point qui est très important, c'est les enjeux épistémiques autour de l'économie sociale et solidaire. Ce forum a permis de reconnaître les inégalités non sûres dans la production de savoir. Le paradigme de la décolonialité, pour dire que maintenant, la colonisation n'est plus l'horizon indépassable de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui veut repenser le monde à partir de ses propres modèles. Nous avons dans ce forum remis en cause les règles inéquitables du commerce international. Nous avons insisté sur le respect des trajectoires et des diversités, sur l'économie populaire, sur l'économie verte, sur l'économie circulaire. Toutes ces formes d'économie qui ne sont pas là pour prendre la place de l'économie capitaliste, mais qui interpellent l'économie capitaliste pour recréer un autre monde. Enfin, le septième point, c'est la gouvernance des biens communs, la gouvernance des biens publics mondiaux. La nécessité de ne pas mettre dans les règles inéquitables de l'OMC la question de nos ressources naturelles, la question de la souveraineté alimentaire, la question de la biodiversité, la question de la réallocation des droits de tirage spéciaux pour l'Afrique, la question de l'endettement de l'Afrique et de l'utilisation efficace de cet endettement pour financer le développement. Nous avons également revisité des enjeux très importants, tels que les enjeux de la souveraineté alimentaire à partir de l'économie territoriale, les enjeux de la protection sociale extensive, n'est-ce pas, de ces acteurs. Voilà, entre autres, en résumé, sept points qui ont été revisités par l'ensemble des 6000 participants qui ont participé durant ces 6 jours à ces réflexions. Et dans les déclarations que nous allons faire après, vous allez voir que véritablement, le forum de Dakar n'a pas été un forum de plus, ça a été le forum de l'Afrique, mais interpellant le monde à partir des préoccupations. Nous avons démontré que l'ADN de l'économie sociale et solidaire, c'est bien l'Afrique, et que l'Afrique participe au même titre que les autres continents à la redéfinition du monde, à la redéfinition du système économique, à la redéfinition des relations entre l'État et les territoires. Ce forum, en réalité, constitue une grande satisfaction pour nous autres membres du comité scientifique de travailler avec des chercheurs internationaux dans tous les pays pour co-construire un autre monde. ESS, ça fait 10 ans qu'il est entamé. Donc l'agenda s'est un peu accéléré en disant si c'est fait, si la résolution est adoptée avant le forum de Dakar, Dakar pourra être la grande rencontre, c'est déjà la grande rencontre ESS au niveau international, marque vraiment un précédent, c'est-à-dire qu'on ne peut plus dire maintenant qu'il va y avoir un retour en arrière possible. Il faut se dire qu'après l'OCDE, en juin 2022, qui a sorti une recommandation en juin 2022, après plus de 10 années de travail également, hein, de réflexion avec les États membres de l'OCDE, pour dire comment on va changer nos leviers économiques pour à atteindre un développement plus durable et juste. Donc après l'OCDE, l'OIT, pareil, dans sa conférence internationale, la conclusion des travaux en juin 2022 a permis d'avoir une définition universelle reconnue par 182 États, et ça c'était pas rien, c'est 182 États, les syndicats et le patronat qui a reconnu ce qu'était et qui a donné une définition universelle de l'ESS. Ça c'est un vrai précédent. Donc on a vu l'OCDE, l'OIT et maintenant l'ensemble des États représentés aux Nations Unies qui adoptent cette résolution pour reconnaître l'ESS en tant que levier central pour atteindre un développement durable. C'est vraiment le titre de la résolution. Donc,
maintenant, c'est comment, après cette résolution, on continue à porter pour qu'il y ait un changement d'échelle, pour que vraiment, on dit souvent en Europe ou en France, l'ESS représente 10% des emplois. Là, on veut que ça passe vraiment à une échelle supérieure pour que c'est un impact sur la réduction de la pauvreté, sur la réduction des dangers climatiques que vraiment l'économie actuelle pousse la planète pas sur un bon mode de développement. Donc il faut rectifier et ça devient urgent. Donc pour nous, ça fait acte et Madame la ministre du Sénégal, Madame la ministre IA de Côte d'Ivoire, on était en réunion avec la présidente de la Task Force des Nations Unies pour l'économie sociale et solidaire, qui a vraiment travaillé en lien étroit avec les 43 pays qui ont porté cette résolution pour qu'elle soit adoptée. Et les deux ministres ont vraiment dit, on veut continuer à porter cette diplomatie politique pour faire valoir et continuer à persuader d'autres États que c'est la marche à suivre. Donc pour nous, le Forum de Dakar était également là pour avoir des engagements au niveau des États pour poursuivre ce travail vraiment de changer d'échelle et de reconnaissance et de valoriser sur les territoires parce qu'il y a beaucoup d'expériences sur tous les territoires et de mettre en lien toutes ces expériences et c'est ça le but d'un forum. Un forum, c'est plus de 200 intervenants qui sont venus présenter une initiative qui peut être répliquée et mesdames les ministres disaient bien hier, elles vont mettre un groupe de travail pour pouvoir échanger sur ce qui se passe sur le terrain et sur ce qui marche bien au niveau, par exemple, des coopératives sur les territoires. Parce qu'encore une fois, l'ESS, c'est pas une économie de la résilience, c'est une économie viable qui montre vraiment des résultats. Sauf qu'en fait, les résultats, c'est les résultats et l'impact économique revient aux communautés, aux acteurs. Et c'est une économie qui, pour moi, est le plus générateur d'emplois au niveau des territoires, au niveau de l'ensemble des territoires et qui va réduire vraiment et participer à la réduction de la pauvreté pour un vrai enjeu de l'inclusion sociale. Je ne sais pas si ça a bien répondu. Aude Saldana, je suis la secrétaire générale du G7. Merci Aude. Non agricole, en milieu rural, c'est 100%. Et c'est les données officielles, hein. C'est 97% des emprises et 40% du PIB. C'est l'économie réelle. Maintenant, c'est ça qu'on appelle le décalage entre la normativité officielle et les pratiques. L'économie réelle est là, c'est un levier d'inclusion sociale, un levier de démocratisation de l'accès aux services, pour aussi donner de l'emploi, n'est-ce pas? Tout cela, mais malheureusement, c'est pas revenu. Et c'est ça l'enjeu du Forum. C'est comment reconnaître cette économie réelle et lui donner sa place. D'autant plus que cette économie officielle qu'on a, c'est une économie extravertie qui détruit notre environnement, qui précarise notre économie, qui renforce les inégalités sociales et qui remet en cause nos valeurs sociales. L'économie sociale et solidaire, c'est un métal, c'est une économie du collectif, c'est une économie des valeurs sociétales, mais surtout pour le réinvestissement des bénéfices de l'économie pour les communautés. Par exemple, si on a de l'agrobusiness, nous sommes en train de voir l'exploitation de nos ressources naturelles. Mais se pose la question de la responsabilité sociétale des entreprises, jusqu'où les secteurs à valeur ajoutée de notre économie sont entre les mains du capitalisme étranger, mais jusqu'où tout cet argent est réinvesti pour notre économie. Voilà une économie du bien-être, une économie de la justice, une économie réinvestie pour les besoins sociaux, mais qui ne sont pas reconnus. Et Dakar donne le point de départ pour une reconnaissance de l'État. Maintenant se pose un autre point, c'est comment avoir des indicateurs susceptibles de nous permettre de comprendre la issue de cette économie. Parce que les indicateurs de l'ANSD sont des indicateurs quantifiables. Alors que cette économie se joue sur le lien social, se joue sur la cohésion sociale, se joue sur la stabilité, sur la place des femmes. Et ça, ça nous interpelle encore. Dakar aussi donne le lieu de réflexion pour que les universités réinventent des modèles de compréhension des comportements économiques. On n'a plus à enseigner à nos étudiants un système économique capitaliste en laissant notre économie. C'est pourquoi ça remet en cause le modèle de formation universitaire, le modèle d'enseignement, n'est-ce pas, un modèle d'enseignement plus proche et créateur d'indicateurs qui nous permettent de comprendre les réalités sociales. Merci.